marquant le premier but, en réveillant un petit peu la troupe. Et avouons-le, ça a été une victoire là, à l'arraché hier contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Attention de l'entlape, c'est Dumont. Ensuite, c'est Lafont, son tir à tout juste la cible. Là, revirement derrière le but et les voltigeurs qui, avec le patient, ligne bleue à Komarov. Komarov, fin de tir pour Gendron. Son tir au retour à la butte! Le tir de Gendron a échappé au gardien Lucier. La rondelle qui traînait tout près de la ligne du filet. Et Woodward n'a eu qu'à la pousser dans une cage abandonnée. Et les voltigeurs marquent le premier but du match. Un puissant tir de Gendron. Et Woodward était à la bonne place, attendait le retour. Et dès là, la 7e minute de ce match, les voltigeurs qui frappent. Devant le filet, le défenseur a été un petit peu en retard à réagir. Gauche. Et Reinhardt à droite. Dans l'enclave, Landry bataille pour la rondelle. Reinhardt, son tir à la but! Noah Reinhardt! Les voltigeurs marquent une deuxième fois au cours de cette première période. Et Landry là, a été très incisif. Il a gagné sa bataille et la rondelle qui est aboutie sur le bâton de Reinhardt qui a décroché un tir de l'entrave qui a battu le gardien côté bouclier. Le 14e but, plutôt le 14e tir de cette première période des environ là, 12 premières minutes. Et il y en a deux là, qui ont réussi à déjouer le gardien. Komarov à gauche pour Repchek, il s'avance. Repchek, passe imprécise pour Woodward, mais ça se poursuit. Gendron du coin, attaque le filet et la balle! Alexis Gendron! Il marque son 100e but en saison régulière, en carrière dans le circuit. Et marque le 3e de son équipe dans le match. But inscrit en avantage numérique. Gendron, là, lorsqu'il a reçu la rondelle dans le coin, n'a jamais hésité là, à s'amener vers l'enclave. Il a tiré avec son patin, prend le retour et ensuite la pousse dans le filet avec son bâton. C'est le genre là, de but d'un véritable marqueur. Là, pour être habile de la sorte, de reprendre son retour avec le patin. De fonctionner. Landry, tout près de la ligne bleue, remet devant, c'est repris par Reinhardt qui passe pour Brunet. Un tir, le retour à la balle! Sam Oliver! Excellent tir du défenseur Simon-Pierre Brunet, un tir bas. Le gardien Lucie a fait le premier arrêt, mais Oliver se dirigeant au retour et a poussé la rondelle dans une cage abandonnée. C'est un 4e but au cours de cette première période pour les voltigeurs. On le voit à la reprise, le tir de Brunet, un excellent lancer. Il s'est assuré que la rondelle touche le filet. Et Sam Oliver qui saute sur le retour et c'est son 17e de la saison pour Oliver, un 35e point cette année. Réussi. Et ça coïncide avec la sortie de Komarov du banc de punition. Il prend la rondelle et veut couper au filet. Komarov échappe la rondelle. Côté ensuite. Son tir bloqué de l'épaule droite par le gardien. Qui s'amène avec vitesse devant tout. Autre arrêt du gardien. La belle ligne bleue pour Pilote. Pilote, un tir, ça dévie deux fois. Quel arrêt de la mi-temps de Charrois et pas de retour. Eh bien, le gardien s'impose vraiment dans cette deuxième période. Son équipe a ralenti le tempo et le gardien tient le fort. Trois gros arrêts là, sur la même séquence, dont là, sur la dernière, une fois sur le tir du défenseur et la deuxième fois sur le lancer. Derrière à Baudry, protège sa rondelle devant Barry. Baudry dans l'enclave pour Gendron, un tir à la but! Alexis Gendron! Quel lancer! De l'attaquant de 20 ans, il déjoue le gardien dans la partie supérieure. Un tir parfait et c'est 5-0. On voit le travail de Baudry. Ensuite, Gendron est positionné directement sur le point de mise au jeu.
Et tantôt, lorsque je vous disais qu'il avait un tir précis et rapide, on vient d'avoir un bon exemple. Il a déroulé le gardien de but côté rapproché. Et les voltigeurs qui marquent sur cette séquence à 4 sont sur la glace. C'est 4 attaquants. Dès le départ, Woodward pour Gauthier, le but! Ethan Gauthier! Ça leur a pris seulement 6 secondes en ce début de période pour que les voltigeurs touchent la cible. Et c'est 6-0. Et Sylvain Favreau avait affiché ses couleurs. 4 attaquants étaient sur la patinoire. Il n'y avait aucun défenseur. Et dès le départ, Repchick a gagné sa mise au jeu. Woodward et Gauthier se sont amenés à 2-1. Et on a battu le gardien de but de vitesse dans son déplacement de la gauche vers la droite. Donc là, on va en principe être de retour à... Ils ont gagné vendredi à la maison contre les Cataractes de Shawinigan. Attention, Reinhardt va s'échapper avec Bishop derrière lui. Reinhardt, son tir arrêt de la mitaine du gardien de but. Reinhardt qui dispute un bon match, déjà un but et une passe. Son premier but avec les Voltigeurs. Et là, bien, à profiter là, du fait qu'on évoluait à 4-4, il y avait beaucoup d'espace et rapidement, là, de sa ligne bleue défensive, il s'est échappé. C'était pas évident, là, puisque Bishop le surveillait là, de très près. Du moins, il tentait de réparer. Poulin, derrière à Diot, vers Gendron, son tir, le retour. Quel arrêt de Lucien! Il vient de voler un but à William Dumont. Et a fait un très bel arrêt aussi au précédent sur le lancer sur réception de Gendron. On le voit à la reprise, là, Diot vers Gendron et un tir là, à la Cole Caulfield là, avec...